On poursuit l'actualité avec Guitar Hero, place à DJ Hero. Pour certains, les platines n'avaient plus de secret ce week-end. Les amateurs de musique ont testé à la Fnac de Lille l'un des derniers jeux d'une célèbre console, DJ Hero. Vous en doutez, il s'agissait de réveiller le DJ qui sommeille en vous, un concours où les passionnés se sont affrontés sur un mix de Daft Punk. De nombreux cadeaux étaient à gagner. Bien entendu, il fallait être en rythme. Frédéric Regnault a recueilli quelques témoignages des passionnés. J'ai toujours été passionné de Scratch et pouvoir tester, ça m'a permis de vraiment m'y faire afin de débuter les platines en vrai. Le niveau le plus difficile, c'est Expert, et ce niveau-là, il permet quand même de pouvoir bien simuler le niveau du DJ, ce qui se rapproche de plus avec la réalité. C'est un peu plus les mix situés vers les États-Unis. C'est pas un peu plus vers l'Europe, mais sinon ça va encore. C'est vraiment bien fait, on a vraiment l'impression d'y être, mais c'est pas non plus une vraie platine. Enfin, ça reste un jeu quand même.